aujourd'hui c'est dimanche. Oui. Oui, on est contents. Oui. Aujourd'hui les enfants, on va vous raconter une nouvelle histoire de la Bible. Oui. Donc on va commencer par la prière et tu vas répéter après nous, d'accord? Oui. Donc on va prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Pour cette belle journée. Pour cette belle journée. Merci de nous aider. Merci de nous aider. À bien comprendre. À bien comprendre. Ta parole. Ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les enfants, aujourd'hui le thème de notre leçon est Je vais être patient. Je vais être patient. Et croire. Et croire. Que Dieu va me garder. Que Dieu va me garder. On va répéter encore une fois, ok? Je vais être patient. Je vais être patient. Et croire. Et croire. Que Dieu va me garder. Que Dieu va me garder. Oui, donc Dieu va nous protéger. Oui, Samuel? Parce que c'est notre papa dans les cieux. Oui, parce que c'est notre papa dans les cieux et il va nous protéger. Donc, oui? Les cieux, c'est le ciel. Oui, notre papa dans le ciel. Donc, Jésus va nous protéger parce qu'on est ses enfants. Oui. C'est pour ça qu'il est important de prier, parce que Jésus, il nous protège. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous, les enfants. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Oui? Donc, aujourd'hui, c'est Samuel qui va nous enseigner! Donc, c'est Samuel qui va nous enseigner aujourd'hui. Et l'histoire que Samuel va nous raconter, donc ça vient du livre des Actes. Donc, je vais bien sûr aider Samuel et on va raconter l'histoire ensemble. Donc, il y avait un roi, un méchant roi. Tout le monde, je veux que tout le monde en fasse comme ça, méchant roi. Un méchant roi qui voulait mettre Pierre en prison. Oh là là! Il voulait mettre Pierre en prison, il n'est pas gentil. Et vous savez pourquoi? Parce que le roi n'aimait pas Pierre. Il n'aimait pas Pierre parce que Pierre, il était un chrétien. Et il voulait tuer les chrétiens. Oui. Et vous savez, c'est comme ici on voit Jacques. Le roi Hérode, il a tué Jacques. Il a envoyé ses soldats pour tuer Jacques parce qu'il était un chrétien. Voilà. Et après, Pierre était en prison. Oui, et vous savez, c'était comment dans la prison? Dans la prison, il faisait tout noir. Donc, fermez vos yeux comme ça et vous allez voir comment c'était dans la prison. Oh, c'était tout noir dans la prison. Oh là là, c'était tout noir. Et il était enchaîné. Oui, on l'avait menotté avec des menottes. Donc, on l'avait attaché. Et il y avait deux soldats qui le gardaient dans la prison. Et quand Pierre était en prison, tous les autres priaient pour lui. Oui, les gens de l'église, ils priaient pour Pierre parce qu'ils savaient que le roi Hérode voulait tuer Pierre comme il avait tué Jacques. Oh là là! Et pendant que Pierre dormait, Pierre dormait, et tous les gardes aussi, c'était la nuit, un ange est venu. Oui, un ange est venu. Il est venu. Et c'est les chaînes de Pierre étaient tombées. Oui, et Pierre, il s'est réveillé quand l'ange est venu. Et devinez ce que l'ange a fait? Il a fait sortir Pierre de la prison. Oui, donc l'ange, il a fait sortir.
Il l'a fait passer à travers une porte qui était fermée et ensuite il a ouvert une deuxième porte. Et il avait cogné à la porte. Il avait cogné à la porte de l'église. Donc Pierre, quand il est sorti de la prison, il est allé vers la maison où les gens priaient pour lui. Et vous savez quoi, les enfants? Donc quand Pierre est arrivé dans la maison, quand il a cogné à la porte, comme ça, toc, toc, toc! Il y avait une femme qui disait « Qui est là? » Oui, on va dire ensemble « Qui est là? » Donc la petite fille, elle s'appelait Rod. Et Pierre, il a dit « C'est moi, Pierre! » Oui, et vous savez quoi les enfants? La petite fille, Rod, elle était tellement contente! Elle a oublié d'ouvrir la porte à Pierre. Et il a dit à les autres, il a dit à les autres que Pierre est sorti de la prison et les autres ne la croyaient pas. Oui, donc elle a dit à tout le monde qui priait pour Pierre que Pierre était devant la porte. Oh là là, comment ça se fait qu'il était devant la porte? Donc ils sont tous allés ouvrir la porte pour Pierre. Et à pied, après, Pierre est rentré et il a dit « Un ange est venu pour me faire sortir de la prison. » Oui, vous savez les enfants, parce que les gens de l'église ont prié pour Pierre, Jésus est venu sauver Pierre. Un ange l'a sorti de cette prison. C'est pour ça qu'il est important de prier. Et on va aller maintenant lire dans notre Bible. Dans le livre Apocalypse 3, le verset 8. Oui, dans Apocalypse 3, le verset 8. Apocalypse, c'est le dernier livre de votre Bible. C'est dans le Nouveau Testament. Donc les enfants, vous allez aller dans votre Bible. Je vous donne 10 secondes parce que c'est dans le dernier livre de votre Bible. Ok? Et ensuite, on va lire. Et si tu n'as pas eu le temps, tu peux mettre pause sur la vidéo et prendre ton temps de bien chercher. D'accord? On va compter jusqu'à 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On va lire. Je vais lire et tu vas répéter après moi. Si tu n'as pas eu beaucoup de temps, tu peux mettre pause et prendre tout ton temps que tu veux. Mais oui. Après, tu peux nous rejoindre. Bien sûr. Donc, je vais lire. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi. Une porte ouverte. Une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Oui. Donc les enfants ici. Donc, Pierre devait dire cela à l'église de Philadelphie parce que eux, ils servaient Dieu et Dieu les a gardés. Oui? Il y a beaucoup d'églises. Oui, il y a beaucoup d'églises. On a vu beaucoup d'églises à date. Donc, si tu veux revoir les autres histoires qu'on a racontées concernant les autres églises, donc tu peux aller voir dans nos vidéos. Oui? Non. Là, c'est la Bible de Bible Radar. Oui, Bible Radar. Si tu veux re-aller dans Vic et Sam, tu peux aller et ça va te dire les autres églises. Oui, donc tu peux aller voir nos autres vidéos. Donc maintenant, on va continuer et tu vas aller dans ta Bible encore une fois. Mais cette fois-ci, tu vas aller dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est aussi dans le Nouveau Testament.
Donc c'est comme au début, donc tu vas chercher dans ta Bible, on va te donner 10 secondes maintenant, et si tu n'as pas eu le temps, tu peux mettre pause et revenir après. Donc c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 38. D'accord? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc on va lire, Samuel va lire et je vais répéter après lui et toi aussi répète après lui. Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. Moi, je connais aussi Actes 2:37. Oui. Donc, vous savez, les enfants, c'est très important d'apprendre ce verset-là parce que ça, c'est le plan du salut. Oui, ça. Il y a trois versets qui sont très importants. Actes 2:37, Actes 2:38 et Actes 2:39. Oui, donc tu peux apprendre pour commencer Actes 2:38, d'accord? Donc on va voir ça veut dire quoi ce verset-là qu'on vient de lire. Pour commencer, dans le verset, on voit qu'on doit se repentir. Se repentir, c'est de demander pardon à Jésus. Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je vais essayer de ne pas les refaire, Jésus. D'accord? Donc ça, c'est se repentir. Ensuite, on se fait baptiser au nom de Jésus. Quand on est baptisé au nom de Jésus, on est plongé complètement sous l'eau au nom de Jésus. Ça fait pas mal. Ouais. Ça fait pas mal et ça fait... C'est juste pour avoir le don du Saint-Esprit. Donc, quand on se baptise, au fait, c'est pour qu'on soit lavé de nos péchés. Oui, donc Jésus nous lave. Et ensuite, on reçoit le don du Saint-Esprit. Jésus vient en nous. Et tu sais, c'est gratuit, ça, recevoir le don du Saint-Esprit. Et tu vas voir, tu vas parler en langue. Donc, tu vas parler dans une langue que même toi, tu ne vas pas comprendre. Oui. C'est juste Jésus qui va comprendre. Donc, tu vas parler en langue. Donc, ici, on demande pardon à Jésus. On se fait baptiser. Jésus nous lave. Et ensuite, on reçoit le don du Saint-Esprit. Jésus vient en nous. Donc, t'as vu? C'est pas compliqué. Et c'est ça le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir aller au ciel. Oui. Aller avec Jésus. Est-ce que t'as envie d'aller avec Jésus? Oui. Oui, on veut aller au ciel. Donc les enfants, ceci va conclure notre petite capsule aujourd'hui et on va prier pour terminer, d'accord? Tu vas répéter après nous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour les belles histoires qui se trouvent dans la Bible. Pour les belles histoires qui se trouvent dans la Bible. Merci. Merci. Pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous garder. Merci de nous garder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc les enfants, je vais vous revoir la semaine prochaine. N'oublie pas de nous laisser un petit pouce si tu as aimé la vidéo. Et abonne-toi à notre chaîne. Oui, et abonne-toi à notre chaîne. Et appuie sur la petite cloche. Comme ça, la semaine prochaine, tu vas pouvoir voir notre vidéo. Et on pourra apprendre plus d'histoires de la Bible. Oui. Donc, c'est super. Donc, au revoir les enfants. À la semaine prochaine. Au revoir. On vous aime beaucoup. Bye.